En fait, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire une pièce en cuir. Mais effectivement, faut avoir les moyens de le faire, faut surtout tomber sur des personnes qui savent bien le faire. Congo, je suivais son œuvre et ça me parlait énormément. Et je trouvais qu'il y avait vraiment une histoire à aller raconter avec ton savoir-faire en allant développer quelque chose d'un peu plus 3D. Et un jour, je l'ai appelé quand je me suis dit qu'on était prêt, parce que c'était le savoir-faire que j'imaginais assez pointu en discutant avec Gabriel, mon associé. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien te voir, te croiser pour qu'on imagine quelque chose ensemble, qu'on regarde ce qu'on peut faire. T'es bien bossé ? Excusez du retard. La maroquinerie, c'est un métier qui m'a toujours touché. C'était cette texture, cette sensualité de la peau, ce savoir-faire m'a toujours touché en fait. Donc du coup, on nous a donné un de ces dessins les plus aboutis en nous disant bah, « allez vous amuser avec ça et vous verrez, vous me rappelez quand c'est fait ». Et après du coup, tu as la couleur par-dessus, c'est ça, lettre par lettre, comment tu as envie de jouer ça? Bah écoute, lettre par lettre. Hein. Pas une couleur par mot, du coup. Pas une couleur par mot, une couleur par lettre. D'accord. La lisibilité, on la découvrira plus tard. D'autant plus que j'ai fait une faute d'orthographe, j'ai bouillé un S dans but. Donc j'ai redessiné à côté. Merci. C'est pas un problème. Bon, il y a du taf, mais là, spontanément, comme ça, j'ai déjà une petite idée sympa qui pourrait bien. Et je vais rajouter le splash, donc par-dessus. Donc il faut l'imaginer... Encore plus grand, hein. Ouais. C'est un truc qui va faire 2 mètres par 2 mètres, comme tu dis. Hein. Ouais. Personne n'a jamais fait ça, c'est du jamais vu. À partir de l'œuvre de Congo, en fait, j'ai repris toutes les lettres pour faire des patrons, pour tout découper en cuir, en double, parce qu'il y a le dessous plus le dessus, donc le relief des lettres. Donc tout est en cuir, tout est sculpté sur le cuir. Mon plus gros challenge, ça a été surtout de ne pas dénaturer l'œuvre de Congo. Donc de pouvoir garder toutes ses lignes, toutes ses courbes, tout en donnant un volume en 3D. Et ça a été un sacré challenge, un sacré boulot. Mais bon, je prends énormément de plaisir à faire ça. C'est vraiment un truc... C'est un truc exceptionnel et en plus j'adore ça. Ensuite les lettres sont recouvertes d'un troisième cuir pour la couleur qui est entièrement cousu à la main sur tout le contour des lettres et plus une finition de tranche. Et toutes ces lettres ensuite seront assemblées sur un grand splatch qui sera un panneau de bois recouvert de cuir, cousu à la main aussi, et ce qui donnera finalement l'œuvre complète. Là, Gabriel avait mis en volume ses dessins, et là, ça a pris tout son sens. Je projetais déjà mes lettres dans de la peau, mais la façon dont il l'a réalisé, c'était dingue quoi, c'était vraiment c'était pointu, c'était totalement dans mes courbes, dans mon vocabulaire en fait. Donc il a vraiment repris mon vocabulaire graphique avec son savoir-faire et c'était... Il a sublimé mon vocabulaire, il a donné encore un autre accent et c'est ce qui m'a le plus touché. Et il a adoré. C'est là qu'on a eu l'idée de faire cette immense toile qui deviendrait une sculpture derrière, entre Paris et New York. Alors je suis vraiment parti sur l'idée de Spirale. C'est un hymne à New York et Paris, okay, comme on avait parlé avant. Ouais, c'est très bien. Et j'ai fait une petite mise en couleur. Ah oui, c'est carrément plus grand que ce que tu fais là. Ah oui, tu vois tout le splash autour, c'est magnifique. Beaucoup plus grand. Donc ça va... Le splash prend quasiment la même taille. La même diagonale, quoi.
que les lettres. Donc c'est quelque chose de très très volatile en fait. Tu vois, c'est très concentré là et boum, les lettres vont partir. C'est comme un bouquet de fleurs, un feu d'artifice, mais en même temps très frais avec les gouttes. Et ça, je le vois en panneau mural. Ouais. Donc, tu penses que tu vas pouvoir changer de couleur entre les dans le bleu, par exemple? Ouais. Ou tu vas rester sur le même bleu comme que la veux. Goutte, ou on peut changer les... Parce que, à mon avis, ça met plus de rythme en changeant de bleu qu'en restant sur le même bleu plat, tu vois. C'est pas un problème parce que, tu vois, mes raccords de couleurs, je peux les faire entre les lettres. Et si vraiment t'as fait un changement de couleur entre deux lettres, à ce moment-là, je peux faire un décalage pour pas que le raccord se voit, tu vois. Après, je peux faire des raccords façon marqueterie, mais le plus sympa, c'est d'avoir les raccords en dessous et qu'ils se voient pas. Bah oui. D'avoir un raccord commun. Quand j'ai vu ce que tu avais fait, c'était complètement dingue. C'est là, ça a pris tout son sens, en fait. Parce que, en général, mes travaux, je vais imiter la dimension par des ombres, des lumières, etc. Mais de le voir en 3D avec les coutures... la cire sur le côté, etc. C'est ce côté-là qui m'a vraiment séduit et donné envie de continuer à pousser le projet, en fait. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant, de mélanger nos deux savoir-faire, nos deux ateliers. Pour moi, le plus important, c'était de voir quelle histoire on pourrait raconter et quelle était leur implication dans ce projet-là. On cherche à aller toujours plus loin sur les savoir-faire, et ce qui est intéressant à travers cette œuvre, c'est qu'on a vraiment mis en avant des savoir-faire très pointus, la couture à travers le bois, les reliefs, tout est sculpté, taillé entièrement à la main, et à l'arrivée, c'est une œuvre gigantesque pour environ 1000 heures de travail, donc c'est une pièce vraiment exceptionnelle.